vous rendez compte qu'un livre, une formation, c'est l'expérience de plusieurs années d'une personne qui vous donne ça en 2 secondes. Mais quand on veut devenir riche, on ne perd pas le temps. Quelqu'un va me dire que oui, on peut perdre les 6 millions, bien sûr. Si tu veux venir devenir milliardaire, tu dois être prêt à perdre 6 millions. 6 millions, c'est quoi? 6 millions, c'est quoi? Donc, il faut vous décomplexifier de l'argent. Il y a trop d'argent dehors. Il y a trop d'argent. Maintenant, la question, c'est est-ce que toi, tu es prêt à faire ce qu'il faut pour gagner cet argent-là? C'est la question qu'il faut se poser. Quand tu vois quelqu'un, tu lui dis achète. Quand il parle même de ça m'énerve. Tu dis à quelqu'un, achète un livre à 10 000, il réfléchit. Il dit qu'il va devenir millionnaire. Un livre sur la vente à 10 000. Ça veut dire qu'il ne comprend même pas là où il est, dans quoi il s'engage. Tu dis, quand il dit qu'il est là en entrepreneuriat, il veut devenir riche grâce à l'entrepreneuriat. Et on lui dit que la vente, c'est le cœur. Et tu lui dis que le livre coûte 10 000, il réfléchit. Tu dis qu'une formation coûte 30 000, il réfléchit. On doit te laver au village. On doit te laver au village. On peut pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Si on te vend un livre à 30 euros, le livre. Moi, je dis même souvent que le livre, quand tu es même. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un livre, une formation, c'est l'expérience de plusieurs années d'une personne qui vous donne ça en 2 secondes? Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, Nelly va bientôt mettre le chat. Le don va bientôt mettre tout ça dans le chat. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un livre, c'est l'expérience de plusieurs années d'une personne? Parfois, même pas une seule personne, de plusieurs personnes qu'on partage dans un livre. Et vous ne lisez pas. Est-ce que vous vous rendez même compte de ça? Quelqu'un organise une formation. Tu as besoin de cette compétence. Tu réfléchis. Tu réfléchis sur quoi? Et non, tu n'as pas envie de devenir riche. Tu bavardes seulement. Tu n'as pas envie. C'est le bruit. C'est le bruit. Dernièrement, j'ai discuté avec nos équipes là, avec qui on organise le week-end de l'écrivain. Parce que je vais vous dire, je vais vous faire aussi une petite aparté. Ce n'est pas vraiment l'objet aujourd'hui. C'est que pour ce week-end de l'écrivain là, nous on veut que ce week-end soit un peu comme le festival de Cannes. Je pense que vous connaissez le festival de Cannes. C'est l'un des événements cinématographiques le plus grand au monde, au cours duquel on remet les prix aux acteurs de cinéma qui ont le plus brillé au courant de l'année. Et nous, on veut faire la même chose, si ce n'est plus, mais pour les auteurs. Parce que nous, on en a marre que les auteurs soient toujours vus comme des crèves-la-faim, comme des personnes lambda. Nous, on a envie que des auteurs, on veut donner de la valeur aux auteurs. Ça continue dans ce que j'avais commencé il y a 5 ans en arrière. Mais maintenant, on passe à un autre niveau. On va organiser. Bon, on est en train d'organiser le week-end de l'écrivain. Première édition à Ouagadougou, à l'espace culturel Dieudonné. Ça sera sur 2 jours. Le premier jour, il y aura des dédicaces, il y aura du networking, il y aura des conférences. Et au cours de cette conférence, on va parler tellement de choses. Bref, je ferai un autre direct pour expliquer le week-end de l'écrivain. Je ferai un autre direct la semaine prochaine. D'abord, on finit avec le volet vente, le livre Sniper de la vente, plus la conférence qui a le 16 juillet. Samedi. Et après ça, je vous expliquerai le week-end de l'écrivain. Oui. Première édition, c'est à Ouagadougou. Deuxième édition, à l'Hôtel Franco. Troisième édition, ça sera à Paris. C'est vers ça qu'on va. Et à ce jour, à l'instant où je parle, tout somme, il y a plus de 7 millions d'investissements. Plus de 7 millions. Plus de 7 millions. Est-ce que c'est parce qu'on a trop d'argent qu'on le fait? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'on a compris que on a des objectifs qui sont là. Et pour ça, combien est-ce qu'on est prêt à investir? C'est ça la question. Non, tu peux le trouver sur le site argentlivre.com, Amina Kepse. Amina Kepse, voici le lien. Je remets le lien. C'est sur notre site argentlivre.com que tu peux trouver le livre Vendre comme un sniper. Voici le lien que je remets dans le chat juste en bas. Il faut commander maintenant. N'attendez pas demain ou après-demain. Parce que la nuit, il y a des choses qui peuvent se passer. L'enfant chauffe. Après, tu oublies. C'est maintenant qu'il faut le commander, pas demain. On a mis les numéros. Nelly va les mettre là. Si vous voulez les numéros, on va vous mettre les numéros. Je mets le numéro de Nelly, vous pouvez la contacter. Je vous le remets, vous la contactez, elle va vous donner le numéro des référents qui sont dans les différents pays. Maintenant, il y a les Orange Money, les Flouze, les Airtel. Faites-le maintenant. Le livre, c'est 10 000 francs ou 29,99 €. Je vous remets son numéro. Je vous remets son numéro dans le chat. C'est quoi? 06 24 58 90 74. Donc, vous contactez, nous contactez. Je vais mettre nous contacter via WhatsApp. Pour ceux qui sont en Afrique, parce que je sais que ce n'est pas évident, ils n'ont pas, on n'est pas forcément de carte bancaire. Je vous mets le truc. Voilà, je vous mets ça.
C'est maintenant, n'attendez pas demain ou après-demain. C'est toujours comme ça. Parce que si vous attendez, l'argent aime la rapidité. Il n'y a pas de temps à perdre. Quelqu'un veut devenir milliardaire dans 3, 4, 5 ans, dans 10 ans. Une minute, il ne faut pas perdre le temps. Et donc, quand tu prends le livre, tu le lis rapidement. Tu n'es pas là, tu ne dois pas le lire pendant une semaine. C'est un livre que tu dois, en 24 heures, tu le finis. Et quand tu finis comme ça, tu notes les points clés. Et plus tard, tu peux revenir. Parce que ce n'est pas un livre qu'on lit une fois. Parce que les stratégies, par moment, tu vas les oublier. Ça, c'est clair. Mais maintenant, tu sais que tu avais vu cette stratégie quelque part. Et quand tu veux l'appliquer, tu reviens dessus. Tac. Tu dis, ah tiens, ok. J'ai envie de dire, ça, c'est la suite. Un pied à l'école, un pied dans le business, c'est le premier pour les étudiants. Le deuxième, les pauvres sont égoïstes. Et le troisième, c'est celui-ci. Ces livres ne se chevauchent pas. J'ai voulu que les informations qui sont dans un ne se retrouvent pas dans l'autre. Sinon, c'est lourd. L'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé le cadran du cash flow, c'est parce que 70% du cadran du cash flow, c'était père riche, père pauvre. C'est pour ça que je n'ai pas aimé ce livre. Beaucoup de gens qui ont commencé par le cadran du cash flow ont beaucoup aimé. Mais comme moi, j'avais commencé par père riche, père pauvre, je n'ai pas beaucoup aimé le cadran du cash flow parce que 70% du contenu du cadran du cash flow, c'est père riche, père pauvre. Je ne voulais surtout pas retrouver ça dans l'un de mes livres. Voilà pourquoi chacun de ces livres a des informations distinctes. C'est une suite, ça se complète. Et au Cameroun, je vais remettre pour le Cameroun, Joël Teinga Touche, contacte le numéro qui s'affiche là à l'écran. C'est le numéro de la France. Et c'est Nelly, Madame Nelly, tu la contactes, Joël. Et elle va te donner le numéro de notre référent au Cameroun chez qui tu pourras faire le dépôt et tu seras livré. Voilà, si tu veux être livré ou alors tu pourras te déplacer pour aller récupérer le livre. C'est maintenant, c'est pas demain ou je sais pas, c'est maintenant que les choses se passent. C'est pas qu'on va dire, bon, je vais réfléchir. Tu réfléchis pour payer 10 000, c'est que c'est problématique. C'est qu'il y a un problème. Je suis désolé, moi je suis passé par là. Donc, je suis passé par là, je sais ce que c'est. Mais je suis vraiment désolé. Un truc comme ça, moi, c'est un truc que je sens que ça va vraiment m'apporter ce que je veux. Je fonce. Je fonce pour les résultats qu'on veut. Je fonce direct. Je t'en prie, Joël. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, mon gars. C'est pour vous dire que. Bref, ça va être énorme. Le livre va être énorme. Celui qui va lire la psychologie d'un sniper de la vente. La psychologie d'un sniper de la vente. Aïe, 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 aïe. Le livre, sinon, c'est le dernier niveau. Mais je dois vous avouer quand même que je suis très content. Je suis très fier de moi d'avoir écrit ce livre parce que c'est un livre que je voulais écrire depuis fort longtemps. Et le fait d'avoir pu arriver jusqu'au bout de ce projet, pendant le temps que je m'étais donné, pour moi, c'est une fierté. Et les gens se demandent souvent que la confiance en soi, ça vient d'où? La confiance en soi vient dans les actions. Quand tu poses un objectif et tu atteins cet objectif, c'est là que tu gagnes en confiance en toi-même. La confiance en soi ne vient pas par le Saint-Esprit. Ce sont les actions que tu poses au quotidien. Ce sont les objectifs que tu atteins au quotidien. C'est ça qui fait en sorte que ta confiance en toi puisse développer. Donc, ne restez pas là à dormir. Vous dites que vous lisez, vous dites que vous cherchez la confiance en soi. Aucun livre ne va vous donner la confiance en vous. Aucun. La seule chose que le livre peut vous faire, ce sera de vous dire comment ils ont fait pour gagner confiance en eux. Ce sera de vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner confiance en vous. Maintenant, c'est à vous de faire le job. Personne ne le fera à votre place. C'est à vous de faire le job. C'est à vous de passer à l'action. Oui, 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 oui. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne restez pas là. Vous dites que oui, tu vas aller lire. Non, vous lisez pour avoir l'information. Il n'y a que l'action qui va vous amener au résultat. L'action. Donc, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. C'est comme ça que ça fonctionne.